Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc c'est la vidéo en lien avec le concours que j'organise pour les 500 abonnés. Donc comme vous le savez, hein, je pense que vous l'avez remarqué, on a dépassé les 500 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça. Et je m'étais dit que ça serait peut-être une bonne idée d'organiser un petit concours. Je dis bien petit parce que voilà, il n'y a pas des choses énormes à gagner au final. Parce que voilà, je le fais avec mes propres sous et puis c'est juste histoire en fin de compte de marquer le coup finalement. Parce que voilà, je suis vraiment très contente de l'évolution entre guillemets de ma chaîne, dans le sens que je suis vraiment, j'ai vraiment de très gentils commentaires, j'ai vraiment l'impression d'être soutenue. Vraiment, franchement, je vous remercie du fond du cœur pour voilà tout ce que vous m'apportez, parce que franchement, mine de rien, c'est vraiment motivant, ça donne envie de continuer, de lire vos gentils commentaires. J'en ai vraiment très souvent, enfin quasiment à chaque vidéo, enfin je vais pas dire quasiment, c'est à chaque vidéo, j'ai vraiment des très gentils commentaires de votre part, et franchement voilà, ça me fait super plaisir. Et du coup, je m'étais dit que voilà, j'avais envie de pouvoir remercier quelqu'un. Alors je dis quelqu'un parce que si je pouvais, je remercierais tout le monde, mais malheureusement c'est pas possible. Donc je me suis dit voilà, que j'allais faire un petit concours pour ces 500 abonnés, en espérant à un moment donné atteindre les 1000. Et dans ce cas-là, j'essaierai au fur et à mesure de faire des plus gros concours, de le prévoir à l'avance, parce que là j'avoue, j'ai fait ça un petit peu en dernière minute, ça m'est venu comme ça. Donc voilà, et je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire comme concours, enfin comment je vais faire ça. Je m'étais dit que tirer au sort, bon ça pouvait être une éventualité, mais j'avais plus envie de faire un, entre guillemets, un petit défi, enfin je veux dire qui est pas une énigme à résoudre parce qu'il faut pas exagérer, enfin bref, j'avais envie de faire poser des petites questions, enfin je sais pas, j'hésitais encore sur comment organiser ce concours parce que je m'étais dit que tirer au sort c'était trop facile. J'avais pas non plus envie spécialement de dire voilà, par exemple abonnez-vous et puis mettez en commentaire par exemple que vous voulez participer. J'ai pas spécialement envie de faire comme ça, parce qu'en fait j'ai envie plus quelque part d'offrir ce petit colis, enfin ce petit que le concours soit gagné par une abonnée ou un abonné qui me suit vraiment assidûment. Forcément on a toujours envie de récompenser ceux qui sont vraiment actifs sur la chaîne, et je m'étais dit que quoi de mieux pour le faire que finalement de faire un petit questionnaire, et en fonction des réponses, voilà, donc s'il y a qu'un seul gagnant, s'il y a qu'une personne qui a toutes les bonnes réponses, bon bah voilà, le gagnant est tout choisi. Mais comme c'est des questions quand même plutôt faciles, je m'étais dit que s'il y avait plusieurs gagnants, et ben là je tirais au sort parmi les gagnants. Mais voilà, je trouvais l'idée plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça permet de voir un petit peu si vous suivez les vidéos, tout simplement, parce que bon, c'est des questions. Je veux dire, les questions, les réponses, vous les trouvez dans mes vidéos anciennes, récentes. Peut-être que vous aurez même pas besoin de regarder mes vidéos pour pouvoir répondre à ces questions-là, parce que c'est des questions quand même plutôt faciles. Donc voilà, donc je m'étais dit que c'était une bonne idée. Donc on va commencer déjà dans un premier temps. Je vais vous montrer, j'ai choisi 5 produits que je vais vous mettre voilà, dans un petit colis et que j'enverrai au gagnant ou à la gagnante du concours. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Tous les produits viennent de chez Action, voilà, parce que bah, c'est vrai que c'est un magasin que j'aime beaucoup. Et puis bah, je m'étais dit, je savais pas trop quoi faire, voilà, comme lot, entre guillemets, à gagner, hein, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite sélection, voilà, chez Action, de quelques petits produits que j'ai pas forcément testés. Ce sont des produits que j'ai pas testés. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous de tester les produits en même temps que moi. Enfin, en même temps que moi, oui et non, parce que j'ai pas encore tout acheté. Mais je pense que c'est des produits, en fait, qui m'ont plu et que je pense acheter à un moment donné pour tester. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc on commence tout de suite. Donc on pouvait pas faire un concours avec des lots à gagner sans que j'y mette une bougie, parce que franchement, j'adore les bougies, voilà, je pense que vous le savez. Et j'avais envie de vous offrir une bougie, donc du coup, j'ai pris celle-ci. Donc c'est un peu le même principe que celle que j'aime beaucoup, là, avec les mèches en bois. Celles-ci aussi ont une mèche en bois. Mais par contre, j'ai jamais testé celle-ci. C'est parfum Cherry Blossom. Voilà, c'est une... un parfum assez floral. Franchement, je pense qu'elles sont bonnes, parce qu'en tout cas, à travers, l'odeur est vraiment très fraîche et agréable, et je la trouvais très jolie.
blanche comme ça, toute simple, avec une petite inscription sur l'avant. Voilà. Donc c'est une grosse bougie hein, quand même. Elle est assez, c'est un gros format. Donc je la trouvais vraiment sympa. Donc j'ai choisi cette bougie-là. Ensuite, parce que je le trouvais vraiment trop mignon, j'ai pris un petit carnet comme ça avec un stylo, donc bah, rose avec, avec un bouquet de fleurs comme ça sur le dessus. Et le petit stylo comme ça, rose et doré, je le trouvais vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que j'aime beaucoup le thé, et puis du coup, bah, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de vous faire découvrir, parce que je ne le connais pas celui-là, donc c'est citron aloe vera, donc c'est du thé vert bio, hein, voilà, aromatisé au citron et aloe vera. Donc c'est la marque Clipper. Je sais que c'est une super bonne marque, donc je me suis dit que ça devrait être quand même plutôt bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que celle-ci, franchement, j'ai hésité à me la prendre, mais je me suis dit que ce serait pas raisonnable, parce que des crèmes, j'en ai encore. Donc, je me suis dit que je la testerai plus tard. C'est pour ça que je vous dis que c'est des produits que je testerai plus tard. Comme le thé, je pense que je le testerai, mais j'en ai encore plein, donc on verra plus tard. J'ai pris cette crème, voilà, pour le visage. Donc, ils disent que c'est une crème de jour et de nuit, elle fait les deux. Et donc, c'est une crème à 95% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, et la marque, c'est Champs de Provence. Donc je pense qu'elle doit être plutôt bien. La compo, elle a l'air quand même plutôt clean. Et en plus, le packaging, il est vraiment super joli. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être un joli cadeau. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de prendre des produits que j'aimerais recevoir. Voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est pas un concours de folie où il y a énormément de choses à gagner, mais je voulais, voilà, prendre des produits que j'aurais moi acheté ou que j'aurais envie d'acheter et qui me correspondent, voilà, dans ce que j'aime, tout simplement. J'ai pas pris, j'aurais pu prendre plein de choses, plein de petites choses, mais franchement, ouais, j'ai préféré prendre vraiment des petits trucs qui me plaisent et puis je me suis dit que c'est vraiment, comme j'ai dit, pour marquer le coup, voilà, vous attendez pas un truc de fou, hein, mais voilà, je pense que ça pourrait plaire de tester cette crème-là. Et le dernier article, donc je vous dis, il y en a cinq. Franchement, il m'a vraiment intriguée et je le trouvais en plus super sympa. C'est comment dire, un masseur pour le visage électrique. Très joli comme ça, avec une tête un peu en quartz, je sais pas si vous le voyez. Il est rose, un peu gold. Et franchement, je le trouvais très joli. Et franchement, ça me donne envie de tester. Alors moi, j'ai déjà le rouleau de jade. Hein, donc bon, je me dis, est-ce que c'est un achat peut-être un peu futile? Je ne sais pas. Vous me direz, la personne qui le remportera me dira ce qu'elle en a pensé. Donc je vous dis, voilà, il est électrique. Donc et vous avez le bouton on-off en bas à tourner. Et voilà, donc je le trouvais vraiment très joli. Donc voilà, donc ça fait 5 produits en tout. Donc je rappelle, il y a la bougie. Il y a le thé comme ça de la marque Clipper, citron et aloe vera. On a la crème comme ça, Champs de Provence, donc la crème de jour et de nuit, à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Le petit masseur électrique pour le visage, trop joli. Et le petit carnet comme ça de notes avec le petit stylo assorti, vraiment trop mignon aussi. Donc voilà. Donc ça fait pas, voilà, c'est un petit colis, je trouve sympa. Moi honnêtement, je serais contente de recevoir ça. En tout cas pour ma part, j'espère que pour vous ça sera la même chose et que voilà, ce petit colis vous fera envie. Donc on va passer tout de suite aux modalités pour participer à ce concours. Donc c'est pas compliqué. Je vais pas dire spécialement de vous abonner parce que j'ai pas forcément le moyen de le vérifier et à la limite, on s'en moque. Et donc du coup, je vais vous dire, voilà, en fait, le principe, c'est que je vais vous poser 10 questions. Il y aura 10 questions à répondre. Donc, vous répondrez en commentaire, hein, tout simplement, de cette vidéo. Et comme je l'ai dit, enfin, je regarderai vos réponses, hein, tout simplement. Et puis, la personne qui aura... qu'aura bon à toutes les questions ou au moins, si jamais personne n'arrive à avoir 100% de bonnes réponses, la personne qui a le plus de bonnes réponses. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire. En tout cas, voilà, donc je vais vous lire tout de suite les questions, comme ça au moins, voilà, vous aurez un petit aperçu. De toute façon, je vous mets tout en barre de description, hein, je vous mettrai la liste des 10 questions. Et donc c'est parti. Donc la question numéro 1, c'est combien j'ai d'enfants? Combien ai-je d'enfants? Voilà, tout simplement. Donc, je pense que limite 100% des personnes qui me suivent sont capables de répondre à cette question sans même regarder mes vidéos. Ensuite, question numéro 2. Donc, je voudrais que vous me donniez le ou les prénoms de ces enfants. Ensuite, question numéro 3. Depuis combien de temps je suis avec Chéri? Alors, vous pouvez donner soit en nombre d'années
ou soit la date de notre rencontre. Tout ça, vous pouvez le trouver sur ma chaîne, bien évidemment. Ensuite, question numéro 4. Combien j'ai de frères ou sœurs? Voilà. Et donc, du coup, la question numéro 5. Donnez-moi, du coup, les prénoms de mes frères et sœurs. Pareil, tout est en barre d'infos, non, pas du tout. Tout est, enfin, je pense que toutes les réponses, ouais, j'ai essayé de réfléchir, j'ai pas tout revérifié, mais je suis quasi sûre que tout est dans mes vidéos. Ensuite, j'ai mis numéro 6. Si vous pouvez citer une des qualités qui est importante à mes yeux, chez l'être humain, hein, chez n'importe quelle personne, voilà, qui existe sur cette planète, la qualité qui est une des qualités importantes, parce qu'il y en a plein, hein, de qualités importantes, mais une des qualités très importantes pour moi, chez l'être humain, tout simplement, que j'aimerais que tout le monde puisse avoir. Voilà. Ensuite, question numéro 7, à l'inverse, justement, pas une qualité, mais un défaut, de me citer un des défauts qui me révulse le plus chez l'être humain. Ensuite, question numéro 8, de me citer une de mes séries préférées. Je dis une de mes séries parce que je sais pas, peut-être que j'en ai parlé de plusieurs, mais en tout cas, je suis certaine d'avoir parlé d'au moins une série que j'aime beaucoup, donc de m'en citer au moins une. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, attendez, j'en étais où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9, j'avais mis de me citer le métier de chérie ou le mien. Enfin, voilà, enfin mon ancien, parce que vous savez bien que pour l'instant, je travaille pas. Mais voilà, de mettre soit mon métier précédent ou le métier de chérie, voilà, comme vous voulez. Et la numéro 10, c'est pas une question voilà, où la réponse, vous la trouverez sur ma chaîne. La numéro 10, c'est en fait, je voudrais connaître la raison pour laquelle vous êtes abonné à ma chaîne. Qu'est-ce qui vous plaît, voilà, sur ma chaîne. Voilà, de me donner les raisons, ce qui vous plaît, tout simplement sur ma chaîne. Comme ça me permet de me rendre compte un petit peu de ce que vous pouvez aimer. Et puis, ça pourra me permettre peut-être de m'améliorer à l'avenir, de savoir ce qui peut vous plaire. Qu'est-ce que vous appréciez sur ma chaîne, tout simplement, au-delà du contenu, est-ce que vous aimez ma personnalité, je sais pas, voilà. Me dire ce que vous pensez de ma chaîne et pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne, voilà, tout simplement. Donc, les questions sont pas si compliquées que ça, finalement, parce que je vous dis, hein, toutes les réponses, vous les trouverez de toute façon dans une de mes vidéos, enfin, dans mes vidéos, parce que c'est pas tous dans la même, hein. Mais ouais, je pense que vous pourrez trouver toutes les réponses. Donc, en commentaire, hein, vous me mettez d'affilée, hein, toutes les réponses. Moi, je ferai le point de toutes les personnes, voilà, qui participent à ce petit concours. Là, nous sommes, enfin, vous aurez la vidéo le samedi 15, et du coup, on va dire que je laisse le concours ouvert jusqu'à mercredi prochain. Donc on sera 15, 16, 17, 18, jusqu'au mercredi 19 août. Voilà, comme ça, ça laisse quand même plusieurs jours, ça laisse le temps, parce que c'est vrai que vous n'allez pas forcément regarder toute la vidéo le jour de sa sortie. Donc ça laisse le temps un petit peu, voilà, de regarder ça. Je me suis dit que ça servait à rien de laisser le concours trop longtemps, de laisser trop d'espace, ça sert à rien. Et puis c'est surtout qu'on part en vacances, du coup on a trouvé une petite semaine, on a réservé une petite semaine, on part du coup le 22. Donc je voudrais que ça soit fait, que le tirage au sort, tout soit fait finalement avant de partir, pour que je puisse vous poster le colis au départ de mes vacances, quoi. Comme ça, voilà, vous l'aurez assez rapidement. Bah écoutez, je suis super contente d'organiser ce petit concours. J'ai super hâte d'avoir vos réponses. J'ai super hâte de pouvoir tirer au sort et de savoir qui va gagner du coup ce petit colis. Est-ce que ça sera quelqu'un qui est très actif sur ma chaîne au quotidien, à chaque vidéo, ou est-ce que ça sera quelqu'un, voilà, qui est pas trop actif, mais qui regarde mes vidéos, parce que c'est vrai que finalement, il y a quand même pas mal de gens qui regardent, mais il n'y en a pas non plus énormément qui commentent. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas énormément en comparaison des vues. Donc, ça se trouve, ça sera quelqu'un qui regarde très fréquemment mes vidéos, mais qui pour autant ne participe pas activement en commentaire. Mais à la limite, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, voilà, faut que tout le monde ait sa chance, et puis c'est tout simplement. Moi, j'ai hâte de savoir, voilà, qui va gagner ce petit concours.
Et puis du coup, je vais vous montrer aussi, parce que comme j'ai été faire un petit tour chez Action pour prendre les petits lots hein, du concours, j'ai pris quelques petites choses, donc je vous montre ça rapidement. Là, pour le coup, je vais pouvoir vous mettre les prix. Alors, j'ai pris du coup, parce qu'en fait, j'en avais des anneaux comme ça, là, pour la piscine, mais impossible d'en mettre la main dessus, mais mon chéri m'a dit qu'en fait, ils étaient dans le grenier, mais j'ai pas été voir, hein, forcément. Donc, j'en avais repris, parce que c'est vrai qu'avec Samy, on aime bien, quand on se baigne, voilà, s'amuser à aller chercher des trucs sous l'eau, je lui lance des trucs, il doit aller me les récupérer, enfin, voilà. On essaie de s'amuser comme on peut, parce que c'est vrai qu'on fait pas que de nager, hein. Donc, je lui avais repris des anneaux comme ça, pas cher du tout, c'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu, enfin, je ne sais plus si je vous en ai parlé, j'ai reçu tout mon kit pour pouvoir me faire mes ongles au vernis semi-permanent. Donc j'ai la lampe UV, enfin bref, tout le matériel. Et je me suis trouvé une petite trousse pour pouvoir mettre tous les petits accessoires et les vernis. Parce que bah, du coup, là, c'est un petit peu, c'est dans un carton un petit peu à l'arrache. Et j'ai trouvé cette petite trousse en velours, un peu couleur roi, bleu roi, comme ça. Super sympa. Trop mignonne, donc je me la suis prise. Ensuite, j'ai trouvé, du coup, bah, j'ai pris la même bougie parce que franchement, elle sent vraiment bon et je la trouve très jolie. Donc j'ai pris la même. Donc là, pour celle-ci, je vous mettrai pas le prix, hein, parce que le but c'est pas que je mette les prix, même si vous doutez bien que c'est pas des articles très chers chez Action. Mais voilà, je mettrai pas le prix de la bougie. De toute façon, vous connaissez plus ou moins les prix chez Action, hein. Mais franchement, je vous dis, hein, j'ai craqué quand je les ai vus. J'étais super contente parce que je sais que celle avec la mèche comme ça en bois, elle diffuse quand même assez bien. Donc j'espère que ce sera les mêmes que les autres. Ensuite, j'ai repris deux dentifrices. Parce que bah, j'en ai besoin pour partir en vacances. Donc oui, je vous l'ai dit, on part une petite semaine. Et bah, je vous dirai pas tout de suite où on part, mais de toute façon, je vais faire mon possible pour vous faire au moins un, peut-être plusieurs super vlogs pendant mes vacances. Franchement, j'ai trop hâte de partir. Au départ, on devait partir que 3-4 jours, mais finalement, on a réservé une semaine. On part donc moi, mon chéri et puis Samy. Et on part avec ma petite sœur et une de mes petites sœurs et puis avec son chéri. Voilà, tout simplement, donc mon beau-frère. Et voilà, je pense qu'on va passer des super vacances. Une petite semaine, mais ça va vraiment nous faire du bien, nous ressourcer. Et voilà, vous en saurez plus. Plus tard, enfin peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je sais pas. En tout cas, là-bas, il y a la connexion, tout ça, donc peut-être que j'arriverai à vous sortir une petite vidéo ou deux pendant ma semaine. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Donc tout ça pour dire que j'ai repris des dentifrices parce que du coup, j'ai besoin d'en emmener un. Donc j'ai pris, comment je sais même pas ce que c'est comme marque, Emmanto Pro. Voilà. Protection complète 7, je sais pas du tout, j'ai voulu tester. Donc je me suis dit que j'en prends deux, comme ça j'en emmène un et puis j'en laisse un à la maison parce que normalement, mais je suis pas certaine, il faudrait que je voie ça avec ma maman. Je pense que comme elle va garder Caramel, je sais pas si elle va vouloir venir à la maison ou si elle va vouloir le garder chez elle. Et je me suis dit qu'au cas où, enfin, qu'elle veuille rester à la maison, bah, il faut qu'il y ait ce qu'il faut, quoi. Et donc, du coup, j'ai repris aussi un dentifrice pour qu'elle en ait. Donc, Colgate sensitif. Puis, si jamais elle reste pas à la maison, et bah, ça nous servira pour quand on reviendra, hein, tout simplement. Du coup, pareil, il me fallait gel douche et shampoing pour emmener. Parce que gel douche, je vais pas emmener le savon, c'est trop galère. Parce que moi, habituellement, je me lave avec un savon. Et puis shampoing, j'ai que des grosses bouteilles. Donc, j'ai repris des petites choses pour la semaine. Donc, moi, je me suis pris le Nivea comme ça, Sunshine. Love Sunshine. Alors, j'ai pas senti l'odeur, mais je me suis dit que ça, c'était vraiment raccord avec... Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Donc voilà, c'est ça, simplement pour avoir un petit gel douche pour me laver pour la semaine. Et puis, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je pense qu'il est peut-être adapté pour quand on prend le soleil ou est-ce que c'est simplement une odeur un peu solaire, je sais pas. Voilà. Du coup, bah, j'ai pris aussi un pour homme comme ça, donc Nivea Men, le Silver Protect. Voilà. Ensuite, et en shampoing, bah, c'est la gamme Nivea que j'ai pris cette semaine, je sais pas pourquoi. J'ai pris le shampoing comme ça, Nivea, donc c'est un shampoing. Ah oui, j'avais pas vu shampoing et après shampoing, c'est une double action à l'aloe vera. Moi, j'avais pas fait attention, donc du coup, j'avais pris un après shampoing, ouais, un après shampoing Shine, Daily Shine. Enfin bref, voilà, j'ai pris les deux, ça permettra peut-être de mieux démêler les choses qu'avec la piscine, tout ça. Ça risque d'être un petit peu il risque de s'en mêler quand même assez facilement avec le chlore. Moi, je sais que mes cheveux, en général, ils s'en mêlent vachement vite quand c'est comme ça. Donc du coup, bah, j'ai pris ça.
Et j'ai repris le mascara comme ça, vraiment le premier prix de chez Action, parce que franchement, il est pas mal, il fait quand même les cils plutôt bien définis. Moi, j'ai pas forcément besoin d'énormément de volume parce que j'ai quand même les cils assez longs et assez fournis. Donc, du coup, je m'en suis repris un tout simple noir Et comme le ça. dernier article, pour terminer, j'ai pris cette jolie serviette. Je la trouvais vraiment trop belle, c'est pour offrir. Voilà, mais je la trouvais très jolie. Puis j'avais, c'est vrai que plusieurs fois je les vois. Enfin, j'ai hésité même à m'en prendre, mais je trouve quand même peut pas donner hein, pour des serviettes chez Action. Donc c'est vrai que pour me la prendre pour moi, ça m'embêtait un peu, surtout que des draps de bain j'en ai. Hein. Donc voilà, comme là c'est pour offrir, je me suis dit je la prends quand même. Je la trouve très jolie. Il y a plusieurs modèles, mais voilà, c'est celle que je trouvais la plus sympa. Elle fait vachement été, je trouve. Donc voilà, c'est une serviette ronde. Un drap de plage rond. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, j'en ai eu pour une petite trentaine d'euros au total. Pas si cher que ça. Hein. En même temps, j'ai pas pris vraiment grand-chose. Et puis, c'est tout. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce concours. C'est vraiment une première sur ma chaîne. Donc, j'espère que ça va pas trop vous décevoir. J'espère que vous attendiez pas à beaucoup mieux et que du coup, vous allez être un peu déçus du petit colis, des petits lots à gagner. Voilà, je me suis dit que j'ai pas forcément les moyens de faire un truc de fou, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je me suis dit que l'important c'était de marquer le coup. J'étais pas forcément obligée, enfin je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais ce que je veux dire c'est que j'étais pas dans le fond obligée, mais j'avais vraiment envie et je me suis dit tant pis, même si il n'y a pas un gros truc à gagner au final, c'est toujours mieux que rien. Et puis voilà, il n'y a pas d'explication, tout simplement. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez être nombreux à vouloir participer, parce que forcément c'est d'autant plus sympa quand il y a du monde qui participe. Toutes les personnes d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui regardent mes vidéos mais qui commentent pas habituellement. N'hésitez pas à participer. Franchement, c'est pas des questions très compliquées. Vous allez pouvoir trouver, je pense, les réponses facilement. Et voilà, ça serait sympa qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui participent. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!